assainissement d'Antananarivo, des montagnes d'ordures dans la capitale. Depuis quelques semaines, les ordures envahissent la capitale, les détritus s'entassent presque dans tous les quartiers de la ville, comme c'est le cas dans Davamamp, une ruelle, avant de passer à l'AFT, est condamnée par les ordures. Il s'agit d'une route que les voitures pouvaient emprunter, mais là, une tonne d'ordures s'y trouve et bloque la circulation, même les piétons ont du mal à la traverser. Pour le cas du Fouktani Lanvat, le bac à ordures se trouve tout près d'une école. Les parents d'élèves ainsi que le responsable de cette école se plaignent de ces ordures qui s'entassent devant eux. La santé de nos enfants et celle des personnes vulnérables sont en danger vu que les responsables n'ont pris aucune décision de ramasser ces ordures dans les plus brefs délais. Ils ne font que prendre une petite partie des ordures et les restes s'accumulent, se plaint une mère de famille. À elle de poursuivre que les odeurs émanant de ces ordures sont trop, les risques sur la santé sont énormes. À Korunjan, Bessarit, 67 hectares, Ndjessour, Tsaraounen, Namountan, les ordures sont omniprésentes. Des questions se posent alors sur le ou les pourquoi de cette situation. Rappelons qu'on est au mois de novembre, période de pluie et de fruits tels que les mangues et bientôt les litchis qui vont encore doubler les ordures dans la capitale.